Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Yon délégation qui gagne en tête li, Premier ministre Joseph Jout, visite travail construction barrage Marion vendredi 9 avril 2021. Travail yo presque arrivé dans bout yo selon chef gouvernement. Grâce à travail qu'a fait sur rivière Marion, la pluie qui tombait vendredi 9 avril 2021 sous département nord-est là pas affecté moun qui était dans environ rivière d'après sa autorité yo fait connaître Audrey d'Orléans avec Moïse Wilbridge pral di non plus. Barrage cap réalisé sous rivière Marion diminue menace inondation sous population terrier rouge là. Les gangoules appelés cap tombé, habitants dans la localité Malfetti, dormi levé sans goula Pérez, ça qui est différent pour citoyens qui étaient dans l'autre commune dans le département, qui sont tibigo inondation semaine passée, d'après directeur protection civile départementale Nodesla. Travail Marion, tout, yo gen résultat à côté parce que si travail ça au pas commencé, mal fait si t'es qu'à inonder. Ça faut nous dire ça techniquement. Nous faisons comme si l'observation technique nous fait travail là commencer des résultats. Nous avons gagné dans tout côté de qui inonde et mal fait si tap la dedans. Nous recevons pile la dedans. Si longtemps rivière ça a été représenté un danger pour la vie moun, denré ak bet habitant yo, jounen jodi a construction barrage là, c'est un espoir cap contribuer dans bonne population. Moi j'ai travaillé dans deux départements ça, nord et nord-est, me fait 3 ans dans zone là. Le rivière Marion descend. Moi j'ai pour me tanni s'il barrem wanamet. Faut que moi sous bois wanamet là. M'a tanni 3 4 heures de temps, des fois 6 heures, dépendamment de qui quantité de l'eau le poté. Sans compter dégâts matériels li fait craser jardin, tuer bête moun yo, craser caille. Et après chaque inondation, qu'on ait une épidémie qui vient, une maladie qui vient. Mais je dis à 10 millions de mètres cubes d'eau stockée là, et une extension de projet ça, pour me prendre l'eau ça, pour me faire irrigation là-dedans, toute terre où est qui abandonnée dans cette zone là, nous allons irriguer, nous allons drainer et puis pour nous faire production nationale la montée. Barrage Marion pral bay secteur touristique là, gros jarret pour développer plus bien, selon ministre touriste là qui annonçait construction yon parc attraction. Après irrigation, on prend une phase pour produire l'électricité et puis prend une autre phase tout qui c'est parc naturel que vous mettre tout autour de barrage là. Donc ça c'est responsabilité ministère environnement. Moi-même ça me dit nous pas foutu vin là pour nous dire nous pas impressionner. Pendant un pile mon a gommé l'autre côté et puis nous avons un travail qu'a fait là. Et moi ça m'apprécie surtout c'est que nous sommes rencontrés coordination direction protection civile, yo dit nous si pas de gain ça pour te kembé de l'eau là, t'a gain plus dégâts en bas dans pleine dans zone malfaiti. Sous Bopayo, ministre affaires sociales et ministre intérieur salier engagement président république là, yo estimé qui bataille en pile pour river mettre campé barrage ça. Mon a dit président Jovenel pas fait ceci pas faire rien. Mon connaît là vini là. Il a pas saisi. Mon gon bagaille pour me dire encore. Captage qui te gagné l'autre bord dans pelig là, c'est sous trois présidents fait. Ça a fait sous un seul président. On garde l'initiative prise par le président de la République. Capable de son véritable merveille. Même maintenant, c'est pour la première fois. Il est vrai que j'ai un délégué départemental là qui toujours avec lui-même, que j'ai toujours changé aucune information, mais son véritable merveille. Barrage Marion a une capacité pour kembe environ 10 millions de mètres cubes d'eau, selon le Premier ministre là, Joseph Jout. Visite temps pour poursuivre côté ministre Kilti à communication en Pradel Henri Kess. Dans tête yon délégation visité barrage hydroélectrique Marion week-end passé. Objectif visite ça, c'était pour fournir Jegade ensemble travail qui t'emmène pour célébrer fête agriculture et travail là dans zone nord cap à barrage Marion cap inauguré 1er mai 2021. Reportage John Herbie Casseus. Ville ça rentré dans cadre préparation pour célébrer fête avec Kilti ak travail là 1er mai cap venir là. Ministre Kilti ak communication Pradel Henri Kess
te gen ak li directeur général Radio Nationale d'Haïti, Daniel Joseph, directeur général Bureau National Ethnologie, Erol Josué, directeur général Théâtre National, Yves Pinel, ak yon représentant, directeur général Télévision Nationale d'Haïti, Jasmine Lorsemé. Responsable yo te vin gade espace la et puis discuter sous mise en place qui doit faite pour accueillir diverses personnalités qui sont présentes dans la célébration fête agriculture et travail là. C'était occasion pour autorité yo fournir garder travail qui réalisé pour mettre campé barrage hydroélectrique Marion dans grand bassin département Nord-Est. Barrage hydroélectrique ça construit pour mettre en valeur 40 000 hectares dans département ça avec une station pompage qui est alimentée à partir d'énergie soleil. Grâce à ce travail ça, agriculteurs dans zone Tankou, Grand Bassin, Akil Samedi, Savane Carré, avec l'autre localité qui tout près yo, a besoin de l'eau en quantité pour user jardin yo. Construction barrage hydroélectrique Marion a été lancé 1er mai 2018. L'a inauguré 1er mai 2021. Un dimanche qui était 11 avril, bandit à examen dans la zone Croix-des-Bouquets, kidnappé plusieurs religieux qui étaient sur route pour un lieu gantier. Victimes, c'est 5 pères catholiques, parmi eux, 4 qui font partie de la congrégation prêtre Saint-Jacques, des religieux et 3 autres mondes. Parmi eux, Tajio, Gendé qui ont nationalité française. Responsable n'a chef-fêché Port-au-Prince exprimé colère face à la situation insécurité qui a monté dans le pays. Porte-parole, l'archidiocèse Port-au-Prince, Père Franzi, petit homme, m'a dit autorité dans l'État pour poser bonjour action pour contrecarrer le phénomène insécurité qui déjà fait un pile victime dans la société. La quitte suivre un extrait. Lorsque l'événement ça arrive, c'est comme si c'est toute l'église d'Haïti, c'est toute société, ça fait mal. Parce que pas oublier que Père, religieux, religieuses, en plus fois c'est des étrangers, c'est des mondes, même si c'est haïtien qui baille la vie, qui sont capables de travailler, pour la société est capable d'améliorer. Donc c'est même monde dans le cadre de mission, dans la paroisse Galette Chambon, qui ont kidnappé, et nous tout connaissons qu'ils ont demandé un bon l'argent pour être capable de relaxer. Donc là, nous agissons en tant que porte-parole de l'archevêché pour nous capables, et à la suite de l'archevêque là, redire même parole qui est dans notre saillot pour que, un, l'État prenne plus de responsabilité. Parce que c'en est trop. C'est toute structure sociétaire qui est frappée, qui est victime du phénomène de kidnapping. Il faut qu'il y ait des actions concrètes qui prend, qui fait, pour que la société soit capable de retrouver et calme pour que la société soit capable de vivre désormais dans la paix. Il faut que également les gens qui bandit prennent conscience, qu'ils connaissent que façon à agir, attaquer des étrangers, attaquer des prêtres, attaquer des missionnaires qui quittent le pays pour venir travailler en Haïti. Venir travailler dans qui ça? Dans faire l'école. L'école pour que propre petit tout capable de l'école. Qui viennent pour être capable de travailler dans l'hôpital. L'hôpital pour propre madame ou propre petit tout capable de vivre la santé. L'on attaque le monde, ça y est. C'est comme si Jean-Nette l'a dit à ces mêmes mains que nous gagnons, n'a recoupé encore. Donc, nous avons l'église là, et à partir de notre qui sorti, nous, un, demander l'État pour faire tout ça possible pour que les missionnaires, ça y est, soient capables de relâcher le plus vite que possible, et ceci sans aucune rançon. Et n'a demandé également bandits pour que vous essayez de prendre conscience, pour comprendre que vous avez fait, c'est une destruction société et destruction propre tête. Jean-Chevêque l'a dit, trop, ce n'est trop. Et c'est le monde entier qui fait solidarité avec Haïti qui a traversé ce moment-là. Dans la bénédiction que le pape l'a fait le dimanche de Pâques, bénédiction au lit, Ubi et Orbi, côté libéni la ville de Rome et libéni le monde entier. Pape la terre a adressé un message au monde entier pour prier pour Haïti. Parce que tout le monde constate que la situation que nous vivons là-dedans, c'est une situation qui est infernale. Nous n'avons pas qu'à continuer comme ça. Et l'Église là, elle fait solidarité avec tout le monde qui est victime. Que ce soit le monde qui est victime, mais pas contre nous. Le monde qui est victime dans l'Église protestante. Moun ki victime dans quel que soit ça y a fait dans la société qui a kidnappé toute famille qui est ruinée parce que lorsque vous avez un monde qui kidnappé dans la famille, d'abord c'est toute famille qui vend ça au possédé pour être capable de sauver la vie. Donc l'Église a demandé l'État
pour poser des actions concrètes, pour capable de ralentir voir de manière définitive situation insécurité à kidnapping ça. Demandez tout le monde pour prendre conscience, monde qui a des âmes, monde qui auteur intellectuel des fois de actions banditistes qui viennent dans quartier populaire, pour que tout prenne conscience, pour nous faire une halte, pour nous quitter bon Dieu, toucher la vie nous, laguer missionnaire, laguer l'autre monde que yo kembe en otage à cause de kidnapping, et pour que société a fait un pas en plus pour nous sortir dans ce chemin ça, qui va mener dans quel côté sinon que vers la destruction de propre pays ça que nous gagnons et nous gagnons seulement. L'autre information dans le journal ça, employé divers centres hospitaliers tant coup, l'hôpital Gouanameuse avec Office en Sciences, Travail, Maladie et Maternité au Fatma, manifesté lundi 12 avril 2021 pour exiger libération de Dr. André Valenbrun Junior, individu au Paris identifié kidnappé samedi 10 avril passé. Patients et employés qui ont demandé sécurité pour personnel infirmier tout pays a demandé autorité de prendre responsabilité. Plus de détails dans le micro de Michel Joseph. Nous-mêmes, au Fatma, nous avons besoin de n'importe quel soin. Nous avons n'importe quel soin, quel que soit la taille. Il y a des gens qui ne sont pas contents de l'argent. Ils viennent au Fatma, ils ont besoin de soins, ils ont la caillou. Si je dis journée, là, un docteur, pas qu'à affecter au Fatma, et puis pendant ce temps, ils ont kidnappé. Ça veut dire plus qu'on kidnappe le docteur, là, il y a un paquet de bagailles qui est campé là. Nous sommes parents malades, mari m'opéré, fait un problème kounya, mette ouais à docteur à fois passer le bon rendez-vous. Voilà malade, m'a souffri, m'vin dans rendez-vous, m'parle docteur. Demandez pitié, pitié pour nous mes amis. Bah nous docteur Valenbrun pour nous, s'il vous plaît. Fais-nous grâce. Voilà. Et merci avec tout le monde qui débranché. Écoutez cap tendez. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.